trouve des papillons en Afrique. Mais les papillons, ils sont grands. Ici, en France ou en Belgique, ce sont des petits papillons. Donc, on fait les papillons comme ça. Mais là-bas, ils sont grands. Donc, ils le font comme ça. Donc, le papillon, il a les ailes fermées. Oui, mademoiselle, bravo. Alors, je vous invite à me suivre. Et là, on ouvre et on inspire et on regarde l'aile du papillon qui s'ouvre tout en inspirant. Et puis, on souffle tout doucement par la bouche. Et on regarde toujours l'aile qui se referme. Et puis, on recommence. On inspire, on regarde de l'autre côté le papillon qui s'ouvre. Et puis, on souffle. Et puis, on recommence. On regarde de l'autre côté, on inspire. Et puis, on souffle. Oui, comme c'est beau. Merci les enfants. On recommence. Une dernière fois, de l'autre côté, on inspire lentement, doucement. Et puis tout doucement, on souffle. Et là, de nouveau, on remet les mains sur les cœurs. Comme ça. Et puis on continue à respirer lentement. Et on pense aux enfants qui sont là-bas. De nouveau, on se remplit d'amour pour eux. Et on respire tout doucement dans le cœur, avec la colombe. Lentement. Merci les enfants. Merci Sabrina et Sophie. Sophie, oui. Ça va? Ça va, et toi, comment tu t'appelles? Mathilda. Mathilda? Oui, tu dois le savoir. Ah non, je ne te connais pas, mais j'ai le plaisir de te connaître. Ah, parce qu'il y a des Sophie. Ah, mais c'est pas Sophie que tu connais, mon chéri. Allez, on va envoyer la colombe. Merci, allez, on va envoyer tout l'amour qu'on a de nouveau aux enfants à Ouira. Moi, je me fais plus grand que toi. Ah oui. Merci beaucoup. Merci infiniment. Voilà, bravo les enfants. Vraiment, vous êtes extraordinaires. Merci infiniment de faire ça pour les enfants. Hein.